Les gars, on se retrouve au skatepark de HCR pour vous filmer une petite session ride et vous présenter un peu le skatepark avec Sylvain Saito. On va vous faire ça tout de suite. Pour vous présenter le parc un peu, on va voir une partie street, une grande partie street avec des détons, plusieurs rails. Derrière moi ici, on a un bol. Un bol qui est quand même plutôt dur à prendre avec une grande funbox là-bas, là, ici. Et puis on va essayer de rouler tout ça en vous présentant des choses qu'on peut faire. Du coup là on va commencer à s'échauffer tranquillement et on va vous montrer tout ça et c'est parti quoi. Oh. Ah, il est incroyable ce truc. Brille! Brille! Oh, c'est plus chaud! Super! Brille! Brille! Hauteur! Flair! Tu mets pas flair? Tranquille, ça passe. Tu vas tenter de faire ça en line dans le U? Ouais, je ressemble à l'arrêté. Viens juste prendre le U, ça va être. Attends, je vais jouer, juste essaye le U. Oh, c'est vrai. Il manque un buttercup là hein. Ah mais c'est horrible là. Tes impressions sur ce bol? Alors conclusion, genre il est beaucoup trop raide. Genre c'est abusé. C'est impossible à rouler. Hein. Viens, on fait de la fly-out. Ça part en fly-out alors. On fait. Tu fais un trick, je dois faire le même, ok? Vas-y, commence. Allez, ça dégage vraiment. Vraiment, dès le premier trick. Non, mais ça glisse fort. refais. Refais. Tu es nul. Sachez que ça fait 3 ans qu'il fait de la trotte. Il y aura des whip rewind. C'est faux, il y aura des whip. À toi. À moi. Oh. Vas-y, à toi de faire un trick maintenant. Vas-y, je fais fondre mon gars. Dul pour pas perdre trop de temps. À moi de faire un trick. Ouais, mais on va changer de module. Je fais un dernier trick, c'est bien. Non, pour varier un peu, on change. Je fais un dernier trick. Un dernier trick. Ça va rester, ça va rester dans les annales, Sylvain. C'est un triple heel? Ouais. Très bien. À toi. Oh. Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas mis en plus. On va changer de module, je pense, on va décaler sur le. Sur les tétons? Ouais, on va faire des tricks sur les mini-vagues là-bas là. On va faire des tricks là-bas. Wow. Et tu comptes faire quoi? Un kickless, allez, on veut voir du spectacle là, le beau jeu. Ouah, ça fait peur de ouf hein. On passe enfin à la grande funbox. Le seul problème, c'est que c'est hyper dur de prendre la vitesse, faut partir de tout là-bas et pousser à mort. On va voir comment lui se démerde. Hein. Tu l'as hyper bien réussi là. J'ai hyper peur à la boxe hein. Je sais pas où t'es atterri mais là tu l'as bien. Oh. C'était fait. On a la vitesse.
Il faut pousser à fond. Pousser à fond. Tire. Des choses sur ce transfert. Tu veux que je te dise un truc? Ouais. J'ai ma filmé. Et c'est le kickless kickless. Oula! Oula! Eh gros, tu mets tes protèges. T'es pas éclaté? Non. Mais en fait, je vais pas assez loin pour trop de hauteur. Du coup, ce qui fait que la réception est très violente. Et très violente. Bah, au pire, vas-y, tu sais quoi, je te donne des tricks, ok? Bah, tu sais quoi, fais juste des beaux tricks en transfert, ok? Fais-moi un barbare. Oula, il était pas en transfert. Eh, hey, refais-le, il était même pas en transfert. Yo! Oh, il était beau. Vas-y, qu'est-ce que je peux faire moi? On tente un 3-6? J'aime pas les 3-6 en face. Viens, j'essaye barre qui claque. Normalement, je le mets facile, mais ici, genre, c'est dur. Eh bah, vas-y, hein. Mets toi l'honneur. Ça passe, non? Bah, ça passe, hein. Allez, ça part, retry. Eh, c'est trop dur. Le coping, il ressort de ouf. Du coup, c'est impossible à faire des trucs comme ça. Eh, le coping, j'ai juré. Quand le coping, il ressort comme ça, c'est trop dur. Hein. De quoi? Ça allait en vrai. Il était propre. Yo! Oh. Yo, vas-y enchaîne. Flemme de faire du transfert. Pas trop vite forcé là. Je vais juste faire des beaux tricks là. Je vais essayer de tout mettre faire faille, propre et j'espère que ça passe. Ça c'est pas passé. Si tu commences à tomber comme ça, ça va pas aller. Hein. Barbare, c'est bon. Il était propre. On va finir sur des petits tricks en courbe. Vas-y, des petits. Bah, on fait les modules qu'on a pas encore fait. Genre, on essaie de. Là-bas, on fait le. Le street, Sylvain. Le rail, Sylvain. Le rail qui claisse, ça. Le rail qui claisse. On fait les modules. On fait le module qui est ponks comme ça. On fait les modules qui est ponks comme ça, là. Ouais, le ponks. Allez, ça part. On va montrer le pire module de ce skatepark. Pour vous montrer le module, comme a dit Sylvain, qui est le pire du skatepark, c'est celui-là. Cette courbe.
elle est horrible dans la mesure où elle t'envoie comme ça tout droit. Elle t'envoie vraiment tout droit et c'est impossible de la prendre ni de faire un tricks. Je sais pas pourquoi elle est là. Je comprends pas comment tu pourrais la prendre en skate ou en roller ou en BMX. Vraiment, elle est vraiment hyper petite. Et en plus de ça, bah elle est raide. La taille des jambes de Lior. Ouais, elle est super raide. Bah vas-y, essaye de faire des. Vas-y, je te donne des tricks. Non, mais pas de la courbe, hein, c'est de la flyer. Tu sais, tu fais de la courbe. Non, la courbe, c'est impossible. Si jamais tu es là, tu fais un bar dessus, t'es chaud. Ouais. Attends, j'ai pas de la courbe. Wesh. Fais un bar en courbe. Attends, juste drop. Normalement. Wow. Pas faire de courbe. J'essaye. Yo, non. Ouais. Tiens, prends le téléphone, tu me le mets, ok? Si jamais j'arrive à faire ça. Non, attends, je veux rire. Ok, vas-y. Allez. Ça prend un bar courbe quand même. Chaud. C'est bien gapé, chacal. Ouais. Yo. T'es ressenti? Vas-y, oui. Je pense que tu arriveras mieux, hein. Je pense que c'est plus simple. Oh, pas sûr. Si, c'est plus simple. T'es ressenti. Le ressenti, y a pas de ressenti, c'est clairement de la merde. Vas-y. Le problème, c'est filme-moi. Ça t'envoie comme un wall, mais un wall minuscule. Vas-y. Ce qui fait qu'il y a... Si jamais je mets là-dessus, vraiment, elle est vraiment horrible. Si jamais je mets là-dessus, oula, je sais pas filmer. Si jamais je mets là-dessus, c'est ce que j'ai envie de mettre. Vous allez tous me follow sur Insta, ok? Mon Insta, je le mettrai là, là, c'est le phare et celui de Lior aussi. Je vais mettre là, je vais mourir. D'abord, c'est juste un R. Y'a pas de R à faire, d'abord, tu casses juste la gueule. Mais gros, je peux pas en fait. Ouais, bah tu vois. Je viens de réaliser, attends. Faut que j'aille vraiment pas bas. Dès que la courbe elle est là, je peux tout faire. Si jamais je le mets, vous allez tous me follow. Ah, oh, mais vas-y, un peu plus de vitesse là! Mais mec, mais ça, c'est pas possible! Un peu plus de vitesse là! Je peux pas? Moi je l'ai bien fait, vas-y là! Par barre, wesh! Ah oui, par barre, ça passe! Bah vas-y! Il a voulu parler là! Pourquoi j'ai parlé trop vite? Ah! Le first strike, tu disais le first strike! Ok, je refais le bruit, attends! T'as sauté en arrière dans la course, c'est la pire chose à faire. Je rappelle. Vous allez tous me follow sur Insta, c'est parti. C'était pas first try ça. Mais alors, je m'en fous. J'ai jamais dit que je mettrais first try. Ok, si jamais je mets un autre tricks. C'est quoi le tricks? Vous avez tous le follow. Bon, on fait du rail. Je crois que c'est le seul truc qu'on n'a pas fait. Hein. On fait l'enfer. L'enfer. Oh là là. On fait ce rail là. Là. Faut savoir que le street et nous, ça fait 28 clairement. 28, ouais. On va commencer par ce petit rail là parce qu'il est plutôt simple à prendre. Le cœur, tout doux le loup. Non, le rail rond. Je vais péter la gueule. Mais moi je le fais tranquille. C'était à côté de maman. Bah toi fais le curb et moi je tenterai celui-là. Attends, j'ai essayé. Vas-y. Oh, c'est peur. On t'a demandé du vrai rail. C'est le rail. Wesh. Putain.
C'est chaud. Vas-y. Lequel? J'ai envie de prendre ce trailer. En montée? Non. Je drop de la courbe là. Ouais. Et puis je le prends comme ça et la descente aussi. La descente? Ouais, les deux. Mais MDR. Bah, t'as possible. Bah, pourquoi tu fais alors? Parce que j'aime le challenge. Le challenge. Mais gros. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à venir nous follow sur Instagram. Et puis on va terminer en beauté avec un magnifique tricks de Sylvain Cycle. Bon, à une prochaine vidéo.